Je m'appelle Jules Bonner, j'ai 22 ans, je viens de La Rosière et j'étais en équipe de France de ski slopestyle pour les Jeux Olympiques. When the microphone's checked and the headphones fit, feel the bass in your chest, feel like your head's gonna split. Come out of all the mess, leave the dead zone quick. Make sure your arms hard like they were left on bricks. If you think this is a game, then I'll bet on this. Crush the world, make it flat and play chess on it. I stand behind my bars, I'm a self-convict. Have to sweat with every letter, I'm a stressed artist. Have to get up with the sun and pick. À la sortie de mon année olympique, ce que je retiens de ces jeux, c'est déjà une super expérience de pouvoir vivre ça. C'est le plus gros événement qui existe dans le monde sportif. Vraiment tout sport confondu, où on voit tous les athlètes de tous les sports, toutes les stars. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à vivre et quelque chose qui restera gravé à vie. Et même si ça s'est pas super bien passé pour moi, le résultat il est pas là. Voilà, je ressors plus fort de ces jeux, j'ai pris que du bon. D'expérience, gérer déjà encore plus la pression, parce que quand vous avez 40 caméras autour de vous, c'est pas dans ces moments-là qu'on sent le mieux, le plus serein. Mais voilà, j'ai retenu de tout ça et j'ai pris que du bon. Et quoi qu'il arrive, ça restera un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est sûr. Donc après les Jeux Olympiques, ma saison elle s'est plus calmée au niveau des compétitions. Je suis parti en Islande filmer du street, j'ai filmé un peu en France, histoire de me changer les idées, parce qu'après une année chargée en compétition, ça fait toujours du bien de s'évader et puis renouer plus avec, avec le plaisir et le plaisir du ski. Je filme avec les Gypsy Feeling et Laurent Demartin. On est un petit crew à faire de l'image. Et voilà, ce que ça rend pour l'instant, c'est vraiment cool. Donc je pense qu'on va sortir une bonne petite tape de ski à l'IF3 cet automne. L'année prochaine, je ne sais pas vraiment encore dans quoi je vais m'orienter. C'est plus compétition ou shooting. Je vais me prendre un été pour changer les idées, peut-être aller surfer, faire une coupure avec le ski, parce que voilà, l'année où j'avais été la meilleure, c'était avec un été coupé où je suis revenu sur les skis en début de saison et j'avais grave la dalle. Donc voilà, je vais faire ça cet été, réfléchir et voir à l'automne prochain si je me remets une saison à fond dans la compétition ou si je m'oriente plus dans le film. Mais j'ai toujours été un peu compétiteur, donc c'est sûr que la compétition, elle fera toujours partie de ma saison, quoi qu'il arrive.